Qui n'a jamais vu ces malheureux sur le rebord de la route, crasseux, hirsutes, s'accrochant à leurs écriteaux en carton? Parfois, ils ont des accessoires. Une poussette, un animal de compagnie, un bidon d'essence. N'importe quoi qui puisse contribuer à apporter une once de crédibilité au fait qu'il mendie pour autre chose que s'enivrer. Moi, c'était un homme qui tenait un écriteau besoin d'essence, avec un bidon rouge posé par terre à côté de lui, que j'ai croisé sur la route de Salem il y a 6 malheureuses années. J'ai fait de mon mieux pour l'ignorer, mais j'étais arrêtée à un feu rouge, et la situation devenait un peu gênante. Alors j'ai plongé ma main dans ma poche, et j'en ai ressorti 2 $, en baissant ma vitre au minimum. Je lui ai dit « Voilà mon pote », en poussant les billets à travers l'ouverture de la fenêtre. C'est à ce moment-là que j'ai vu son visage pour la première fois. Ou ce qu'il en restait. Il me fixait de son œil unique et exorbité. Son crâne n'était plus qu'une masse carbonisée. J'étais tétanisée par la peur, jusqu'à ce qu'il étire ses os noircis vers les billets. Je l'ai lâché immédiatement en appuyant sur l'accélérateur sans me soucier une seconde que le feu soit toujours au rouge. Depuis, j'ai reconstitué la légende. Il fut un temps où l'on voyait souvent à Salem un vétéran atteint de psychose traumatique, alcoolique et sans avenir professionnel, mendier aux abords de la route. Les citoyens cessèrent de lui faire l'aumône, pensant qu'il quitterait la région pour une métropole. Sa réaction provoqua l'une des expériences les plus traumatisantes de l'histoire de la ville. Il s'immola par le feu, en plein centre de Salem, à l'heure de pointe. Depuis cette rencontre, je ne cesse d'apercevoir 2 petites étincelles oranges à la limite de mon champ de vision, qui disparaissent aussitôt que je tourne la tête, accompagnées de frissons nauséeux. Ce spectre tourmenté s'est-il mis en tête de me suivre ? J'ignore si sa présence est bénéfique ou non. Tout ce que je veux, c'est mettre autant de distance que possible entre moi et ce fantôme répugnant. Marionnette.
bagarre. Comment j'ai fait pour vivre aussi longtemps ? Mademoiselle, qu'est-ce qui s'est passé ici ? On dirait un bébé. Je vous en prie, aidez-moi. Il est censé être mort, mais je le sens encore grandir en moi. Il me déchire de l'intérieur. Attendez. C'est vous qui avez tué votre enfant ? Vous ne comprenez pas. Il n'était pas normal. Il n'était pas humain. Il était différent, quelque chose de maléfique. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Il me montrait des choses horribles. Je n'avais pas le choix. Mais il était trop tard, trop tard. Elles sont déjà là. Je les vois ramper à travers les flammes. Elles arrivent. Fuyons, vite ! C'est pas en fuyant que vous réparerez ce que vous avez fait. Vous êtes responsable de votre malheur. Qu'est-ce que vous en savez ? Vous auriez fait la même chose. Quelle différence ça peut faire ? Nous sommes tous maudits. Thank you.